Allez, on continue tout de suite avec une question. On a reçu une question de Marc, il a 40 ans, il vient de Chisteron. Il a une question pour l'équipe. Il dit « J'ai lu dans un magazine que les mains seraient l'une des premières choses que les femmes regardent chez un homme. Existe-t-il des manucures pour hommes ?» Mais super question, Marc, vous avez raison. Oui. Les mains, c'est extrêmement important, oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Janane, est-ce que vous pouvez l'aider? Vous aussi, vous regardez d'abord les mains? C'est la première chose qu'on regarde. J'aime bien. Mais non, on fait des manucures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous répondre, Marc, parce que oui, effectivement, il existe des manucures. Et oui, effectivement, nous, les femmes, on adore regarder les mains des hommes. Cette petite main comme ça, les doigts longs, les ongles, on scrute. C'est une des premières choses qu'on regarde. Et d'ailleurs, sur le podium de qu'est-ce que les femmes regardent en premier chez les hommes, d'après ma mère, ma gardienne et ma meilleure amie, en numéro 1, le regard. En numéro 2, le sourire. En numéro 3, les mains. Ouais. Bon, mon enquête à moi, elle est un petit peu bancale. Hein. Bien évidemment, je suis allée dans la rue vous demander aux femmes ce qu'elles regardent en premier. Ah. Si elles regardent les mains, vous allez voir. Écoutez. Ce que je regarde en premier sont les mains et les yeux. Ses mains. Ses mains. Les mains. Parce que c'est associé à la puissance chez moi. Plus les mains sont larges et plus l'homme en face est fort, et plus je trouve ça séduisant. En fait, il faut pouvoir percevoir la tendresse sur une main. Quoi. Ça peut se voir quand les doigts sont assez fins, bien entretenus. Ça en dit long sur la personne, je trouve. Voilà, vous voyez. Alors, c'est sans appel. C'est sans appel. En plus, on le voit dans la presse, etc. Donc, Marc, vous avez raison de vous concentrer et de vous dire que peut-être, effectivement, il va falloir prendre soin de vos mains. Mais et il y a vous avez des petits conseils pour donner à Marc. On passe à l'acte. Ah, on passe à l'acte. C'est oui. Venez avec moi, Daphné. Ah bon? Oui, bien sûr. Alors, Daphné, vous allez venir m'aider. Et Alexandre. Ça, c'est notre équipe. Oui, venez vers là. Venez, ah, je viens par là. De ce côté. Alors voilà, j'ai procédé à une arrestation, Daphné. D'accord. Je n'étais pas satisfaite, même si c'est des gens super, des garçons super qui travaillent avec nous tous les jours à la rédaction. Oui. Mais j'étais pas totalement satisfaite de leur manucure. D'accord. Et pour répondre à Marc, il va falloir qu'on décrive les étapes pour une manucure parfaite chez d'accord, un homme. D'accord. Alors, que constatez-vous sur cette main, Daphné? Quelle erreur? C'est pas très propre. Ah, voilà, Anthony, tu entends aussi. Non, mais Anthony, vous avez fait exprès, là. Non. T'as fait un peu exprès. Non. Bon, donc, d'accord, Anthony, c'est pas très propre. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Anthony, il travaille beaucoup. Il a un ongle cassé. Voilà, il a un ongle cassé. Dedans, il y a un petit peu de saleté. Donc, vous allez prendre le bâton de buis. N'importe quoi. Si. Mais non, je sais pas. Mais Daphné, vous faites tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je leur ai fait les pieds déjà. Mais je vais pas faire les ongles d'Anthony. Mais pourquoi pas? Faire les ongles d'Anthony. Vous aimez tellement votre équipe. Mais juste, Anthony, en fait, pour montrer à Marc que Mais normalement, il faut mettre les mains dans de l'eau chaude avant. C'est plus facile pour retirer. C'est vrai. Donc, juste, on va enlever la saleté sous l'ongle. Allez-y, Daphné, avec son bâton de buis. Donc là, c'est un outil, l'outil numéro 1. Vous venez nettoyer, Marc, la saleté qui est en dessous de l'ongle. Vous pouvez aussi demander à votre chérie de le faire. Si vous avez envie, on peut se faire des manucures les uns et les autres. J'ai même fait ça à mon propre mec, donc voilà. C'est quand même... Donc là, c'est parfait. Oh, arrêtez. On fait ça aux enfants, c'est très mignon. Oui, ensuite, aux enfants, voilà. Aux enfants, mais moi, je ne sais pas ce qu'il a sous son ongle. Il n'a rien de très grave, il a juste été gratté Anthony. Dans la terre. Anthony, la vérité. Ça vient du nez, ça vient d'où? Alors ensuite, Marc, et pour tous les hommes qui nous regardent, vous venez limer. Effectivement, Daphné, c'est venu comme ça de manière très... C'est l'instinct. L'instinct qui a parlé. Vous venez refaire la forme de l'ongle d'Anthony. Alors si là, par exemple, Anthony n'a pas besoin d'avoir les ongles coupés... Vous aimez les limes à ongles? En général, les garçons, ils n'aiment pas. C'est vrai que la sensation peut être bizarre. Soit vous coupez avec un coupon, ça on en a tous à la maison, soit quand vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un ongle trop long, vous venez juste limer et faire une forme. Alors la forme, elle est très très importante parce que du coup, vraiment, ça donne quelque chose d'uniforme et de beau. Mais moi, je ne sais pas faire des manucures. Là, vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Et là, donc, pour récapituler l'étape 1, on utilise le bâton de buis, on lime si vous n'avez pas d'ongle trop long, sinon on coupe. Et bravo pour l'étape 1, Anthony. Vous êtes plutôt libéré, mais on va passer à la deuxième personne. Alexandre, notre chroniqueur, on l'applaudit. Venez, Daphné. Venez, ma Daphné. Donc, Là, Daphné, vous posez, ça y est, la lime, parce d'accord. que vous avez fait l'étape 1. D'accord. Là, vous allez passer à l'étape 2. Alors là, on est sur quand même des ongles, une arrestation où j'ai hésité. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est pas mal. Mais il y a un petit peu de boulot. Donc non, là, non, Janane, vous exagérez. Non, franchement, c'est-à-dire que ça va. Là, il y a une forme d'ongle. Oh, j'adore ce clip. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ponce. Ah. Donc, l'étape numéro 2, okay. On va venir d'abord poncer l'ongle parce que c'est vrai que souvent, vous, les hommes, vous avez des ongles pas trop lisses. Elle m'a dit de poncer, je ponce à l'acte. C'est parfait. Vous allez donc donner une forme uniforme parce que c'est vrai que parfois, vous avez des stries, vous voyez, vous avez des ongles un petit peu cassés ou l'ongle dédoublé et de le poncer, ça va le rendre un petit peu... Sur le dessus, comme ça? Oui, au-dessus. Comme ça.
Mais mon nom, il est bousillé, là. Non, justement, parce que si tu as des stries, c'est vrai que c'est parce que l'ongle vieillit, il est un petit peu fatigué. Là, on va le rendre lisse. Nous, c'est ce qu'on nous fait. Vous faites ça, vous? Oui, bien évidemment. Donc, on vient donner une forme jolie à l'ongle, quelque chose de beau, et en plus, ça donne un petit côté brillant à l'ongle. Ensuite, numéro... Bon, après, normalement, faire briller, lustrer. Alors, ça y est, vous venez de poncer, mais là, maintenant, il va falloir pousser les cuticules avec le bâton d'huile. Elle est épuisée, Daphné. Donc c'est l'étape 2, vous avez poncé, vous poussez les cuticules. Donc on repousse les cuticules. Pourquoi c'est une étape importante? Parce que c'est vrai que ça va allonger la main et vous allez pouvoir retirer les peaux mortes au bord. D'accord. Donc ça, ça va allonger la main et ça va aussi allonger l'ongle. Donc ça donne un effet d'optique qui est très intéressant. Et vous venez enlever les petites peaux mortes. Là, je vais vous aider, Daphné. Oui, voilà. Et on vient enlever le surplus avec le cuticule juste ici, comme ceci. Attention, oulala. Oui, là, vous y allez fort, là. Oui, j'y vais un peu fort. Ça va? Ouais, ça va, j'essaye, mais ça va. Mais on vient retirer les petites peaux mortes. Voilà, comme ça. Et on vient nettoyer l'ongle juste ici. Ça ne fait pas très mal. Mais voilà, on a nettoyé l'ongle. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Et enfin. Vous faites ça tout le temps? Ouais. Les femmes? Non. Non, pas tout le temps. Quand on va faire une manicure, c'est les étapes normales. Voilà, moi, j'ai pas de vernis aujourd'hui, mais j'ai une manucure. Non, mais après, on va poncer. Alors, il faut faire ça une fois par mois pour les hommes, c'est bien. Ok. Voilà, vous pouvez le faire à la maison, comme Marc. Et enfin, alors là, j'ai procédé à ma dernière arrestation, mais pour le plaisir. C'est quoi? Parce qu'Antoine, il a de jolies mains, on l'applaudit. Ah oui, là. Parce qu'Antoine, il fait des manucures. Ah. Antoine, il est à la rédaction, il travaille, et quand il tape sur le clavier, je me dis, il a vraiment des jolies mains, Antoine. Et donc, il y a une étape qu'il a oubliée, c'est que vous êtes en train de le faire, c'est un vernis pour homme. Quoi? Il existe des vernis pour homme. Donc vous allez lui appliquer du vernis pour homme sur cette main, Daphné. Ah bon? Et je vous explique à quoi ça va vous servir, Marc. Tout simplement, ça va, voilà, déjà c'est un vernis transparent, je vous rassure. Et c'est un vernis qui matifie et qui va pas donner un côté brillant, on pique pas le vernis de sa femme, mais ça va donner un ongle un peu blanc, donc ça va donner un ongle en bonne santé et ça va rendre la main encore plus jolie. Donc vous avez vu dans la rue, les femmes disaient que c'était très joli et qu'elles regardaient les mains, donc il faut aller jusqu'au bout des ongles, hein, il faut bosser à fond. Et même le vernis pour homme, c'est bien parce qu'en plus ça fortifie l'ongle et ça donne, voilà, ça donne de la santé à vos mains. Là ça va sécher, Jeannine, parce que ça brille Effectivement. Beaucoup. Effectivement. Là, oui, ça va sécher et ça va se matifier. D'accord. C'est un vernis matifiant, c'est pas du tout un vernis sur le gros poste. Et après, on le verra plus. Donc, je récapitule les étapes très rapidement. 1, Marc, on prend un bâton buis, on nettoie et on travaille la forme. Étape numéro 2, on ponce, on repousse les cuticules, c'est très dur à dire, et on les coupe. Et étape numéro 3, vous appliquez un vernis qui matifie et fortifie votre ongle. Et ça y est, Daphné, elle s'éclate. Ouais, voilà. C'est très bien, Daphné. Mais moi, je croyais qu'il fallait leur conseiller d'aller éventuellement chez des manucuristes professionnels. Parce que j'avais deux choses à dire. Je voulais remercier Yaël qui nous a aidés. Donc Yaël qui a un institut spécialisé dans les manucures. Je vous mettrai sur le site de France TV, les instituts dont elle s'occupe, c'est une professionnelle des manucures. Donc Antoine a une manucure faite par Yaël. Et je voulais rassurer aussi les téléspectateurs parce que dans Je t'aime, etc., il n'y a pas d'homme qui a des ongles sales comme Anthony, pas du tout. Non. C'est bien évidemment, je lui ai demandé d'aller gratter de la terre. Hein, voilà. Mais sinon, Anthony a les ongles propres, bien évidemment. Voilà pour les étapes. Et juste pour le plaisir quand même, parce que là, on est sur quand même une manucure parfaite. Défilé sexy des mains d'Antoine. C'est parti. Allez, vous nous faites un petit défilé musique, s'il vous plaît. Moi, hey. Non, pas toi. Ouais. Eh ben bravo. C'est sur cette dernière image, cette image de Fashion Week. Non, mais on va se quitter sur cette image de Fashion Week. Défilons, Daphné. Hein, venez, on va pas venez défiler. Sur cette image de Fashion Week. Oui. Tiens, remets-moi tes doigts. Voilà. Allez, Daphné, défilez. C'est sur cette image de défilé, évidemment, qu'on va aller vous livrer la morale de l'histoire, de ce numéro de Je t'aime, etc. On a vu que les hommes peuvent séduire avec leurs mains. Alexandre Jeunette nous a donné un cours de tantrisme. Donc, ouvrons nos chakras. On va retrouver Affaire conclue avec Sophie d'avant. Et... on va se toucher, on va se regarder, on va se caresser. Oui, super. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous avez pris autant de plaisir que nous à la fabriquer pour vous. On se retrouve tous les jours, on est là de 15h à 16h sur France 2. On vous souhaite le meilleur. On vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.